Que ce soit sur les réseaux sociaux ou les jeux en ligne, le comportement de certains utilisateurs dépasse régulièrement les bornes. Résultat, après des années de pédagogie, expliquer un peu les choses, comment il faut se comporter, etc., bah aujourd'hui, dès que vous êtes responsable d'une communauté qui est un peu importante, où il y a pas mal de gens, les sanctions tombent, et c'est tant mieux. Et bien là, en l'occurrence, on va parler d'un petit jeu, trois fois rien, Battlefield 2042, qui donc, lui aussi, fait appel à la communauté en ligne. Et bien DICE a indiqué qu'ils allaient prendre à bras-le-corps les problèmes de tricheurs et de harceleurs en établissant des mesures très strictes et définitives pour Battlefield 2042. Il y a une charte de la communauté Battlefield qui a même été proposée, et en voici les grands axes. On va les découvrir ensemble, et vous allez voir, bon, bah, ils ont décidé de ne pas rigoler. Et quelque part, tant mieux. Donc déjà, bah, c'est la base, hein. Traiter les autres comme ils aimeraient être traités. Voilà, faites équipe et jouez l'objectif ensemble. Nous ne tolérerons pas les joueurs qui perturbent les autres ou un comportement nuisible. Soyez juste. Si vous voyez des joueurs enfreindre les règles, signalez. Soyez honorable aussi. Protégez votre escouade, respectez la loi sur Battlefield, n'encouragez pas et ne participez pas à des activités dangereuses ou illégales. Et il y en a plein qui sont listés. Bref, je trouve ça tout à fait normal. Ça s'appelle, on partage quelque chose ensemble, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien dans l'absolu. Donc, en cas d'infraction grave ou répétée, cela peut aller quand même jusqu'à la résiliation de votre compte Electronic Arts. Tous les comptes, si vous en possédez plusieurs. Au passage, je précise quand même que sur ma chaîne, c'est pareil. Vous avez une charte des commentaires que vous pouvez découvrir juste en dessous, vous pouvez défiler un petit peu, etc., qui vous explique un petit peu. On est là pour prendre et partager du plaisir, pas pour nuire aux autres, donc à vous de jouer. Et d'ailleurs, moi je suis extrêmement fier de l'écrasante majorité d'entre vous qui, franchement, vous êtes une communauté exemplaire, et pour ça, cœur sur vous, restez comme vous êtes, on partage du plaisir et notre passion du jeu vidéo, et on n'est pas là pour vomir sur les autres.